Nous sommes là de retour sur Warzone de Battle Royale de Call of Duty. Modern Warfare 3. Alors apparemment, on va voir ça. Il y a un nouveau pack dans la boutique. Il s'appelle Os de Verre. Voilà, c'est celui-là. En plus, il coûte que 1100 points. Trop bien. DG58 LSW. Regarde, il y a le squelette à l'intérieur. Et la WSP9 fossilée. L'arme, elle est transparente, il y a le squelette à l'intérieur, et quand tu mets un camouflage, c'est le squelette à l'intérieur qui reçoit le camouflage. Et là, tu dis, ouais, le pack, il est cool parce que les armes sont originales, et il coûte pas si cher par rapport à d'autres packs. Voyons voir un peu ce que ça donne. La WSP9. Donc, c'est trop stylé, non? Attends, on va regarder quand même sans camouflage. Genre, tu vois pas l'arme? Elle est transparente. No way. Alors, c'est un petit peu un... C'est un peu un pay to win, techniquement, parce que... Regarde. Normalement, avec une arme classique, tu serais pas supposé voir l'ennemi. Là, tu le vois. Excuse-moi, mais... Ça fait un peu pay to win pour moi. Regarde. Voilà, tu le vois pas trop, mais ça gêne moins, quoi. Et donc, si je mets un camouflage... Putain, la vache! Là, c'est trop stylé. Hein. Attends, on va mettre le camouflage là-dessus. Le camouflage est à l'intérieur. No way! Je trouve que ça fait classe. Ah, il ressort pas forcément tant que ça. Je pense qu'on pourrait mettre un camouflage tête un peu plus uni. Peut-être, on va savoir. Même en violet, par exemple. Et l'autre... Bah, je trouvais qu'en or, ça rendait pas trop mal. Voilà, là, camouflage en or à l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Ah, ça envoie. Et là, le camouflage violet. Je dis, bon, tu sais, après, les camouflages, c'est une chose, les variantes, c'est une chose, mais je dis, pour une fois, on a une variante qui apporte quelque chose d'un peu différent et d'un peu spécial. Le fait d'avoir le camouflage à l'intérieur, je trouve que ça rend vraiment... Ça fait vraiment son effet, quoi. Ça fait vraiment son effet. Alors après, est-ce que les armes seront viables sur le Warzone? Je ne sais pas. Surtout que là, bah du coup... Ce qui est un peu la douille, c'est que, mettons, je mets un canon, ça ressort un peu, mais bon, ça enlève pas trop, en vrai, l'arme, si tu mets un truc de canon. Si on met, mettons, un viseur, une lunette, on garde quand même le côté d'arme. C'est si jamais je voulais... 5 ans, 5 ans, Sky, toujours un plaisir 4 de te regarder. C'est si jamais je voulais enlever ça, par exemple. Et là, tout d'un coup, bah, on perd complètement le style, quoi. Ce qui serait un peu dommage. Mais bon, ce canon-là, à la limite, est intéressant pour le Warzone. Donc tu dis, bon, allez, on se le laisse. À la limite, la poignée peut le faire. Et on pourrait se le mettre comme ça. Et là, chargeur de 32. C'est pas énorme. Mais le problème, c'est que si tu changes, bon, bah là, du coup, tu perds un peu la variante. Ce qui fait un peu con. Voilà, ce qui fait un peu con. Il y a du vent, hein? Ma foi! Bon, l'objectif, vous le connaissez, bien évidemment. Bah, faire une bonne game avec ces deux nouvelles variantes de la boutique qui ont un petit style. Alors, bien évidemment, il n'y a rien d'incroyable ici, etc. Mais il y a quand même un petit style du fait que, avec l'os à l'intérieur, que tu mets le camouflage, je trouve que c'est original. Là, c'est sur des armes que j'utilise pas forcément. Mais t'imagines s'il y avait un truc comme ça sur le Katamer? Je sais que quand je te parle, je vois ces diables aussi. Ça serait plutôt stylé, hein. Adébaratan, aquí, loco.
tantísimo, me dieron todos los tiros en la cabeza. Question, est-ce que je dois payer 7000 pour acheter une caisse du coup, ou comme je suis tout seul c'est 7500? Ah, 10000. Normalement tout seul c'est moins cher hein. Yes. Ok, c'est parti. C'est pas parti. Je me dirige par là, laissez tomber. C'est pas... Bon, heureusement la caisse est encore là. Ah, ils ont mis une tiro là. C'est nouveau ça. Ah, les relous, les gars. Les relous, hein. Enfin, ils sont là, les gars. Bah c'est... complicado, hein. On va prendre celui-là. Il s'est paré tout seul. Oh le con.
Non mais putain, mais sans blague. Eh les gars, mais niquez vos mères, non? Ah c'est bon, il y a deux gars qui vont dessus. Bon, on va s'en sortir un peu. Enfin ! Ouf. Enfin, j'ai pu prendre mes armes et respirer. C'est ouf comment tu vois à travers. Hein. Il va aller sur le toit, je pense. Elles sont sympas, ces petites armes, hein. Les réductions ont été appliquées dans les stations de ravitaillement. Mine de rien. Ouais, pas. Ennemis dans la zone d'opération. Demande de frappe. Il y avait un gars ici, hein. Putain, comment tu vois à travers, mec, regarde. On peut voir alors que normalement on ne verrait pas. Ça, c'est un peu tout win, hein. Braderie terminée, les prix ont été rétablis. Confirmé, on a localisé ses coéquipiers. Bon, l'autre, il est en bas.
Il y a du monde en bas et il y a du monde en haut, hein. Fruit, and I'm better send me my motherfucking chicken. Elle est pas mal la DG hein, Mama. On va walk out. Can put your tablet on his charger right there, baby. Le gaz se rapproche. Yeah, it's a wow. They think they got this pin. There's one right here to the left. And that's it. I gotta make sure he wasn't coming up. Niggas is this time. Both of them down there too. De toute façon, il va devoir. Je suis dans la zone et lui il va devoir avancer. Hein. Eh, la DG, franchement, grosse surprise là-dessus. Down there now. I got this heartbeat sensor. Ah ouais, valide de ouf. Hein. Bon les gars ils sont en dessous hein. Là ça va être compliqué. We got to go downstairs, so come on. My demo. Les dégâts de chute c'était optionnel je crois. Hein. Oh, ah non j'ai l'atout pour les dégâts de chute. Oh là mais je suis un génie. Ah putain comment. Putain on a plus la hauteur, fais chier. Ça me tire. Non, y'a personne qui tire dessus, frérot. Oublie, personne te tire dessus. Au-dessus. Bien joué. Ça monte. Derrière, ça me vise sur toi. T'en mets un ? Oh, ouais. Ah l'enculé, non, fils de pute. C'est pas gentil ça. What? Je peux pas me plaquer? Ouais. Mais what? Pas grave. Eh hey, GG les gars. Je vous ai bien niqué. Mec, c'est quoi? Je pouvais pas me plaquer, c'est quoi ce délire? Eh hey. Le pack est incroyable, c'est pay to win. Ah ouais.
Oh, la game était intense de ouf, hein. Intense de ouf. Pah. Et on finit avec 15 kills. Et tu sais que la game était mal partie, hein. C'était mal parti, mais j'ai... En plus, je suis tout seul versus duo. Et franchement, les armes... la DG, elle est incroyable. Elle est incroyable, la DG, non? Mama. Eh, je vous montre la petite classe de la DG. J'ai juste rajouté le silencieux pour la variante. Sinon, il y a la poignée verticale, là. Il y avait les munitions pour avoir le contrôle du recul. On a moins de portée des dégâts, mais c'est vrai que l'arme, elle bouge pas, quoi. Voilà, il y avait ce canon-là. Et la petite poignée arrière. Franchement, et même sans viseur, je trouve au contraire, il y a un charme. Ça tape de ouf, hein. Et la petite Uzi, là, pareil, hein. J'ai mis le silencieux parce que, bon, je suis tout seul versus duo, donc voilà. J'aime bien, puis c'est un silencieux qui a pas de malus ni de bonus que silencieux. T'as le garde-main. Bon, t'as les chargeurs de 32, je l'ai gardé, c'est celui de la variante. Bon, en vrai, je mettrais plutôt 40 ou 50, tu vois, mais bon. J'ai mis la poignée arrière qui fait pas partie de la variante. Et ça se voit d'ailleurs dans l'arme. On voit le camouflage qui dépasse. Et la poignée arrière, c'est la poignée de la variante, quoi. Mais, ma foi, franchement. Et surtout, ce que je trouve là où c'est... Ah, c'est pay-to-win. C'est tu vises et tu vois là où normalement... On est d'accord qu'on devrait pas le voir, le gars, là. Normalement, il y a l'arme qui gêne, tu vois. Et logiquement, où t'as l'arme qui gêne beaucoup la visibilité... Là, tu vois ce qui se passe derrière. Bah, je suis désolé, mais... normalement, on verrait rien, tu vois. Et là, tu vois un gars, tu fais « Ah, ok, il y a un gars. » Autant sur celle-ci, c'est moins flagrant, tu vois. Parce qu'on voit pas forcément. Je te peux, mais bah, tu peux pas dire non plus que ça change beaucoup, quoi. Mais là, je suis désolé, hein, tu vois qu'il y a un gars, tu fais « Ah !» Après, je pense que si tu voulais te piquer, tu mettrais d'autres balles peut-être, parce que là tu perds la vitesse des dégâts, de la portée des dégâts, vitesse des balles. Donc j'avoue que c'est pas non plus l'idéal. Ah, c'est pas des balles, c'est un os. Ah ah, je viens de calculer. Regarde, il y a des balles, les balles, et c'est un os. C'est pas des balles, c'est des os. Ah ouais, du coup, si je change... Ah, mais on peut changer l'apparence du coup. Ok! D'accord, même les balles! Oh! Ah oui! Ah, c'est quelque chose! Ah, c'est quelque chose! Ah, vraiment, mais même de loin là! C'est pour ça que j'ai voulu faire de la résu, parce que bon, en BR, ça va être un peu différent. Mais ça tape de ouf, hein! Papa! Vraiment, très agréablement surpris, hein!